Du début jusqu'à la fin, j'ai été solide. Les moments où il m'a dominé, il jouait mieux que moi. Mais j'étais constant tout le match et je suis content de ça surtout. Ça fait 2 ans que je l'ai joué, donc en 2 ans, son jeu il a changé, il a évolué. Voilà, c'est un très bon joueur. Tout le monde attend beaucoup de lui. Tout le monde dit que ça sera un des meilleurs joueurs. Donc voilà, après, il est encore jeune. Il est pas encore toujours très solide. Donc voilà, je vais d'abord me concentrer sur moi-même, continuer à jouer comme je joue depuis le début du tournoi. Et puis, je vais parler avec mon entraîneur pour la tactique de demain. Et puis, voilà, je vais rentrer dans le match en l'agressant comme toujours et puis en essayant de gagner. Il fait tout plutôt très bien. Il sert bien du fond de court, il est très solide. Il se déplace bien pour sa taille parce qu'il est super grand. Voilà, dans l'ensemble de son jeu est solide. Je pense que c'est pour ça qu'il est déjà à ce niveau-là. Après voilà, pour arriver parmi les meilleurs, il faut gagner beaucoup de matchs et être solide toute l'année. C'est ça qui est difficile, de faire des bons matchs. Gagner quand tu joues bien, c'est pas le plus dur, c'est d'arriver à être constant toute l'année. Voilà, c'est pour ça que les meilleurs sont impressionnants. Et c'est pour ça qu'ils m'impressionnent aussi, c'est que ils peuvent pas être bien toute l'année, et même quand ils sont pas bien, ils arrivent à trouver des solutions et gagner. Donc voilà, après, s'il veut être parmi les plus forts, il va falloir être très constant tout le temps. We'll be right back.